flancs pour toi également, Pascal, c'est pas très très costaud. Le record était 58, 57 pour Daniel, la pêche de la fin, et 57 plus 5 des deux pour la Michelin Pascal. Je retourne le micro sur Daniel, F4 Golf Lima Radio, 4 DMP, tu es sur les à faible altitude à partir de 700 mètres, donc tu devrais avoir
petit peu de neige de ton côté. Ça ferait du bien avant le printemps de retrouver un petit peu de neige. Mais bon, après, pas très bon pour la végétation parce que ça commence déjà certainement à bourgeonner de droite et de gauche. Mais bon, il y a visiblement un rafraîchissement. Et même sur la Normandie, qui serait lundi, visiblement, on va avoir une petite gelée. Voilà les amis, on va finir de plus pour ce qui est spatial. Je confirme que c'est meilleur avec ton deuxième émetteur. Ton record était de 50 heures plus 10 dB. C'était beaucoup plus costaud de mon côté. Je salue bien sûr les écouteurs SWL, tous les amis du groupe WhatsApp. Ben voilà les amis, je ne vais pas en faire plus long. Je vais le sauver. Effectivement, ce soir, il y a du football. C'est pas que je vais couper les émissions pour aller regarder le match parce que je ne suis pas du tout au football. Demain c'est le Grand Prix GP, la moto démarre, la moto GP, ce qu'on appelle moto GP, le surnom de la moto pour les gens qui connaissent la moto sur circuit. Et ça commence à partir, donc le Grand Prix sera dimanche, c'est Portimao, c'est le Portugal, et bien sûr nous avons quelques Français qui brillent tous les jours, mais quand même, qui sortent leurs épingles du jeu. C'est vrai que le 6, il n'y a plus grand monde chez les 6 en moto. Là, il y avait dans le temps, on avait un OM, mais qui n'était pas trop mal. J'ai oublié son nom à cet OM qui était en moto 2 ou moto 3, je ne sais plus exactement. Qui marchait relativement bien, mais il n'est jamais allé jusque sur la moto GP. Voilà, j'ai un peu long pour les histoires de moto. C'est vrai que vous là-bas, vous êtes plutôt automobile, je pense à la Christophe qui a fait des courses en moto. Moi, je suis plutôt de la moto, mais enfin, c'est toujours quelque chose qui se passe sur le circuit. Voilà, je retourne le micro sur Daniel, donc je ne vous promets pas avec les amis, j'attends que tout le monde fait son tour et puis je partirai après. Avec Christophe, c'est une brave bête. Il y avait Agarter et Thomas Lutti. Daniel, merci. Alors, je sais pas qui pilote le QSO, bonsoir à tous. Hein. Daniel, je te retourne le micro, faut que ce 4 Golf et Lima Romeo, faut que ce 4 Delta Zulu Golf. Il y a une brave bête là aussi. Ah, c'est une brave bête, mais on sait du côté de Genève. On lui donne le 9, il aboie, mais il mord pas. Voilà, contrôle. Ok, je pile pas sur Daniel, attends. Moi, je tourne. Bah, salut Laurent, j'étais justement à la cuisine. Et puis voilà, je m'excuse, j'ai vu ton téléphone, hein, mais j'étais occupé. Hein. J'étais occupé, j'ai juste tout le temps de mettre la station en route et puis de regarder s'il y avait une place de libre. Et puis, ça dit à 80 mètres sur la piste que les parkings de supermarché, là, le bleu, pour trouver une place, c'est le parcours du combattant. Voilà, Laurent, bien content de t'entendre, on est très peu là, on est 5 avec moi. Hein. Le déroulement du QSO est suivant, c'est France-Catherine Diane, Laurent, papa, Pascal qui est dans le 78, là. Qui passe relativement bien, malgré ta propagation. Toi, je t'entends bien, je vais te donner ton retour, Laurent. Mais par rapport à hier, c'est pas très très bon ce soir, mais on est quand même là. Et puis, il y en a plusieurs qui sont devant la télé là, pour le match de foot, je crois. Hein. Voilà, pour la qualification de l'Euro, je crois, avec les Nîmes-Irlandais là. Et en numéro 2, tu vois que Laurent, c'est François Golf et Lima Radio, Daniel dans le 89. En numéro 3, c'est notre ami Pascal dans le Loiret. France Unité et Lima Zulu Sari, et puis moi Laurent, qui est France 4 Delta Zulu Golf, voilà, si jamais je te présenterai Laurent, et puis moi je bois une bonne petite abominable avec Sari, voilà, c'est une bière formidable, et puis d'ailleurs il faut que je t'en parle de ces bières, parce que j'ai une combine à voir avec toi à ce sujet, et je confirme ce qu'a dit Laurent, alors nous avons dans la moto, il y avait aussi du paquet qui faisait de la motocross, on avait un autre, une pilote malheureusement qui s'est tué en 125 sur 60, j'ai plus le nom, mais je crois que c'est aussi à du papier. Et d'autrement, bah, on a Lutti et puis Agarter. Hein. Bah, Lutti, je crois qu'il est hors piste.
Moi, j'ai pas ma carte de thé, formule. Je suis pas pilote de circuit, j'en ai déjà fait quelques-uns, et puis c'est pas vraiment mon truc. À tourner en rond comme ça, c'est pas mon truc. Il n'y a pas d'adrénaline comme les courses de côte ou c'est encore bien plus dangereux. Hein. Mais enfin, tout ce qui est course motorisée, et je crois que Laurent a fait quelque chose, il faut pas être né dans la boîte hein, avec le sport motorisé. Voilà, Laurent, je t'en passe le micro, je te l'en passe en montée. Vas-y, mon petit affaire. Oui, enregistré Joachim. Bah écoute, tu seras numéro 5, Joachim. Pour ce Captain Dia Papa Yankee, je te retrouverai le micro bien pris. Hein. Merci Christophe, hein. Je vous salue bien tous. J'arrive un petit peu en retard. Alors, Christophe, je t'ai mis un coup de natel parce que j'étais justement avec des copains. J'étais avec Nicolas, mon copain Hervé, qui court en montée historique, et notamment mon pote Hervé, là, sur des Opel. Des appels records des années 70 préparés, et on cherchait le nom d'une course de côte en Suisse, là. Une course de côte renommée du côté de la Suisse, et les copains n'en trouvaient pas le nom. Ils bougeaient pas, j'ai passé un coup de fil, on va l'avoir la réponse, et heureusement tu n'as pas répondu. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc bien grosse bise à tous. J'embrasse bien sûr Daniel, Fox 80 Lima Romeo, Sani. Hôtel Econo Salfani Farm Bravo, j'embrasse bien mon Christophe, Hôtel Bravo 3 Yankee Mike, bien bonsoir à tous. Et ouais, bah Christophe, c'est pas grave, hein. J'arrive juste de chez les copains, là, où il y avait des belles autos autour de nous, là, ça te plairait Christophe, mais bon, un de ces quatre, tu vas bien voir tout ça, hein. Quand tout va se mettre en place, vous allez voir tout ça de visu, voilà, donc, et pour les pilotes, bien sûr, ceux que tu as cités. Et le pilote qui malheureusement nous a quittés, qu'il repose en paix, c'est Jason Dupasquier, malheureusement, qui est décédé. Et moi, j'ai couru en motocross avec des Dupasquier, mais j'ai couru avec Rolf Dupasquier et Philippe Dupasquier, mais ça, c'était dans les années 90, en motocross. Et je pense qu'ils étaient à l'époque pilote Yamaha suisse. Hein. Moi, j'ai couru, hein, parce que j'ai couru un petit peu à l'échelon européen. Et beaucoup de pilotes suisses avec nous à l'époque, voilà pour la petite anecdote, mais ça c'était dans une vie antérieure. Voilà, allez, je retourne le micro du côté de Joachim, pour que Catherine Dia Papa Yankee, tu feras suivre sur Christophe qui te donnera le déroulé du QSO, pour que 4 Delta Zulu Golf. C'est compliqué, Daniel. J'entends les cartes à tout faire.
9 plus 10 minutes, ça marche très bien. Nous avons donc Daniel, est-ce que comme sur ma radio, c'est-à-dire 58-59, Daniel, c'était compliqué. Est-ce que vous pouvez vous mettre jour au charrier, Pascal, j'ai dit 59 plus 10. Laurent, comme là, Laurent, c'est costaud, est-ce qu'il y a des effets. J'ai vraiment pas de compagnon pour que je ne t'entende pas, Laurent. J'ai dit 59 plus 10, j'ai dit, je vous le vois, c'est bon, tu es rêve. Dans notre ami, est-ce qu'il y a un compagnon qui ne pourra pas. Ce sera mon dernier tour, donc comme je disais auparavant, à Christophe, non pas pour aller regarder le football, parce que c'est pas ma tasse de thé, et puis la Formule 1 non plus d'ailleurs, justement, je dis ça à Christophe, à la limite, je serais plus intéressé par les courses de côte, au niveau automobile, mais c'est surtout la moto. Pascal, après toi, c'est Laurent. Hein. C'est Laurent. Et après
Laurent, c'est Joachim. Voilà, il faudra que j'ai le micro au pied, que je repasse le micro à Laurent. Je voulais saluer notre ami Pascal, France Catherine, ami Laurent, papa. Pascal, passe une belle soirée, une bonne nuit. Et également la même chose pour toi, Daniel, Gros 88, ainsi qu'à France Unité de Delta, papa Kilo, ton OM, Daniel. Et à demain, très certainement. Puis pour toi, Pascal, eh ben, j'ai vu ton joli Kenwood, là, il est magnifique cet appareil. Hein. Voilà, il est tip top. Ben, nous, avec Laurent, on a les deux Mantex, hein. C'est un FT1000D de chez Yezou, hein, qui date de 1984, bien, je crois. 84, il me semble, ou 86, un truc comme ça. Mais c'est un vieux coucou Heavy, et puis qui fonctionne, ma foi, très très bien. Voilà, à toi, Laurent, France 4 Delta Zulu Golf. Oui, QSL, mon Christophe, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Mike, Fox 4 Delta, Zulu Golf. Je confirme, pour le transceiver, Yezou Fox Tango 1000 Delta, un vieux coucou comme moi et comme Christophe. Puisque moi et Christophe, on est des vieux coucous, on est un peu des mêmes années, hein, on n'a pas grand-chose, on est de la même génération. Mais ça fonctionne toujours. Voilà les copains, donc les renforts, alors je vais vous les passer. Hein. Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Mike, tout à l'heure 59 plus 30, tu as plus 20 maintenant, mais ça reste confortable. C'est un peu moins percutant au niveau de la propagation, mais moi j'entends tout le monde. Hein. Fox 4 India November Papa Pascal, c'était 59, des points à plus 10. Fox 4 Golf Lima Romeo, 58, mais QSA 100%. Fox Unité Lima Zulu Charlie, 59 plus 10, et Joachim. Fox 4 India Papa Yankee, 59 plus 10. Un peu moins, bon, on a un peu moins de propagation, mais ça joue, hein, ça fonctionne. Voilà, Christophe, écoute, tout à l'heure, ouais, je t'ai appelé sur le Nathan, hein, j'aurais bien aimé là, pouvoir te passer en direct les copains, qui sont bien dans la course automobile, notamment les anciennes, là, je pense que tu aurais pu bien échanger avec eux, mais c'est parti remise, hein, tous ces gens-là, tu vas les connaître, et on cherchait en Suisse le nom de cette course de route, là. Assez réputé. Voilà, bah, sinon de mon côté, alors aujourd'hui pour nous, moi c'était journée de pro, c'est journée de pro demain également. WX, plus chaud aujourd'hui, fait à peu près 12 degrés à l'extérieur, pas très très froid. Et ma foi, le week-end va être un petit peu chahuté, un peu d'averse, un peu d'éclaircie. Je serai du côté du cœur, je ne suis pas du côté du Mont-Romain pour le week-end vu la météo. J'y étais ce matin pour le pro, il n'y a plus personne et j'adore. Voilà, sinon pas de radio, hein, pas de trafic radio aujourd'hui de mon côté. Allez, je retourne le micro du côté de Joachim, Fox 4 India Papa Yankee pour l'ensemble du QSO, Fox 4 Delta Zulu Golf. Voilà, alors pour l'instant, je dis bien,
Magnifique la route sur les thorax, malgré que j'avais mis mon t-shirt là. Mais ça passait par-dessus, hein, donc la route ça connaît, hein, même que je suis un petit peu plus qu'ici, un tout petit peu plus haut pour l'arrivée qui s'appelle Miranger. Je crois que c'est à 1000 mètres, je crois. Ou peut-être même un peu moins, je sais plus l'altitude de Miranger, mais c'est un petit campagne à moins de 1000 mètres. Hein. Voilà, et puis le record d'altitude signé absolu en 1 minute 33 et quelques centaines de millions de secondes, là. Là, il est passé par une formule 3000, là, d'Alitalia, question 1000, mais, et là, pour une montée qui est à peu près 6 km, vous laissez calculer la vitesse de moyenne. Oui, d'accord. Merci, Joachim, pour le micro. Merci, les copains.
votre participation agitatoire, les écouteurs, les écoutrices. Parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent d'une oreille devant leur télé. Alors, ben, demain, de toute manière, ça va être le même temps, hein, de nouveau de l'appli à bon, ben, tant pis, il en faut. Mais c'est souvent, hein, qu'il y a toute une petite amasse ici, voilà, quoi, pour les antennes spatiales, mais. Hôtel Bravo 3, Yankee Mike, il aura